une projection avec une multi-projection où on a quatre écrans dans lesquels dansent les images, elles se confrontent, elles s'associent, elles s'annulent, elles se contredisent. Et donc ensuite, ce que ça raconte là dans ce mix, dans cette danse des images, c'est qu'on a essayé de poser justement la question de qu'est-ce que vivre en tant qu'homme aujourd'hui sur cette planète qui est la planète Terre. Là, on a essayé de s'éloigner des faits et presque parfois même de s'éloigner du réel, encore une fois, entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on peut voir. Et je pense qu'il y a toute une partie de la projection qui est presque limite abstraite, puisqu'on arrive sur un champ où on ne pourrait pas répondre aux questions de qu'est-ce que l'homme. Par contre, on pose des décors, des contradictions du monde pour parler de cet homme, de cet animal. Vous savez, la pensée, le visuel, Deleuze en a beaucoup parlé de ces choses-là. Ça ne fait pas forcément bon ménage. Et ce qui est intéressant, précisément, c'est que Deleuze, il a, comme Nietzsche, il a reconnu la force que l'art, au fond, avait son propre développement, que tout ce qui était artistique, visuel, auditif, enfin, tout ce qui relève de l'art, était irréductible d'une certaine manière. C'est-à-dire, on ne pouvait pas le réduire au concept. Voilà. Donc il a laissé cette liberté extraordinaire que la philosophie ne disait pas la vérité de l'art. Il n'a pas voulu avoir le dernier mot sur l'art. Parce que souvent, les philosophes, ils sont là pour dire la vérité de l'art. Non. Il a laissé l'art déployer ses intensités, ses processus. Donc je suis Matt Jacob, un des 12 photographes de Tendance Flou. Tendance Flou est un. Donc je suis là pour représenter le collectif Tendance Flou qui expose aujourd'hui au DDP. Et notamment nous sommes en train d'attaquer un gros projet là sur la Corée. On tend à tendre vers quelques sujets qui nous sont chers. C'est compliqué parce qu'à la fois il y a les individus qui, comme tout artiste, individu, vont travailler sur une thématique en particulier qui leur est propre. Et à côté de ça, il y a le collectif qui, lui, va générer une tendance, comme son nom l'indique d'ailleurs, qui est plus ou moins floue, pour porter un regard sur l'époque aujourd'hui. Moi, je suis critique d'art, j'aime beaucoup la Corée parce que j'ai beaucoup fait d'expositions ici. En 97, la première fois que je suis venu en Corée, c'était pour la deuxième biennale de Gwangju, dont j'étais un des commissaires. Et puis après, j'ai fait plusieurs expositions. C'est souvent imprégné de notre temps, de notre époque. Par exemple, il y a une période où on s'est beaucoup intéressé à l'actualité du monde et sur plusieurs événements, donc je dis vraiment événements dans le sens où il y avait une actualité, on s'est rendu à 2, 3, 4, 5 photographes au coude à coude, ce qui est rare en photo parce qu'en général on a plutôt tendance les photographes ont plutôt tendance à avoir des démarches solitaires et compétitives. Et on s'est beaucoup posé la question de comment rapporter l'idée du monde qu'on se faisait. Il pourrait même paraître prétentieux par rapport à la photo, mais j'aimerais bien que la photo arrive au niveau de la littérature, ou soit considérée comme la littérature. La photo, c'est un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est une grande autoroute.
je ne sais pas si c'est notre ambition à Tendance Floue, mais bah, j'aimerais bien que la photographie arrive à la puissance de la littérature. Voilà.